tu aurais dû au lasso. Oh putain. Accident de cheval, pardon, pardon. Mais non, mais j'ai pas fait. Mais vous êtes chiant, mais merde. Bon, aujourd'hui les amis, on va jouer à Red Dead Redemption 2. Je sais pas si on a qu'on jouait beaucoup à Red Dead, c'est sorti il y a pas longtemps, voilà, bah, par Rockstar Games qui ont fait les GTA. Bon, je pense que vous avez forcément vu la sortie de ce jeu, c'est incroyablement inévitable. Alors, il y a un léger décalage quand je joue, il y a genre un petit temps de réponse de une demi-seconde, donc je risque de viser très très mal. What? What? T'es mort. Alors, je cherchais, mais tu vas faire quoi? Ah mec, je me suis pris un guet-apens, mon pote. Ça m'était jamais arrivé. Oh, c'est quoi ça? Passe quoi là? Faites quoi? Quoi? On va les dévaliser, gros, ils ont un coffre. Alors, on va fouiller. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de voler, ceux-là? On dirait bien que le voleur se fait voler. Déjà, on les fouille. Ensuite, on va mettre un bâton de dynamite sur le coffre et on va voir ce qu'il contenait. C'est aussi simple que ça, mon pote. Je sais pas si ça marche, hein. Je tente un truc. Ça marche! Et alors, il y avait quoi dedans? Combien? 20. Plus 20. C'est tout. C'est hyper décevant, mec. Franchement, j'ai tué deux gars pour 42$, gros. On va aller acheter un cheval ensemble. Mais c'est triste parce qu'en gros ton cheval tu lis un lien avec lui. Moi je vous ai dit je l'appelle 4x4 parce que je fais que du off-road tout le temps. Et on se mange des arbres ensemble. On a fait des très belles chutes ensemble. Ah, damn it. Très très belle chute. C'est marrant, jeu de piste là, c'est drôle. Arrête, vous l'avez vu, c'est des mythos, ils sont dans le coup, 100%. Je vais dégainer, je vais l'enculer. Je sais pas faire ça dans la vraie vie, mais dans le jeu, je te. Ok. C'est le mec qui joue au jeu, il le prend trop backer le jeu. Allez, on le questionne lui, c'est parti. Nickel, hein, ce qu'on lui a mis, hein. Mon gars, on était hybrasé, mais clairement là. Poche bleue, poche bleue. Ok, on le relâche, vas-y, on va pas le tuer pour rien, on s'en fout. Bah oui, on va pas le tuer pour rien, ensemble. Bah oui, faut pas le tuer pour rien, c'est débile. Si on le tue pour rien, mec, ça n'a aucun sens, c'est trop con. Trop con, mec, faut pas le tuer pour rien. Allez, vamos. C'est tellement horrible. On lui a dit, allez, vas-y, file. On a gagné de l'honneur et on lui a mis une balle dans le dos comme un gros lâche. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Oh, il fait peur. We're not friends anymore. We're not. Vous parlez de qui? Il est fou. Recule. It didn't happen. Recule. Arrête de me suivre. Ok. Genre, il y a un témoin. Il est où le témoin? Ah, mais c'est lui. Non, j'ai ce qu'on va faire. Stop. Reviens là. C'est horrible. Non mais mec, il est trop bizarre, gros. C'est juste que là, mec, j'ai pas envie de repayer une prime. T'inquiète, viens avec moi, je te mets sur le cheval, on va à l'asile ensemble. C'est entièrement faux, hein. Je veux juste que personne puisse te voir. Allez, ciao. C'est horrible. Ce n'est pas très gentil. Oh, il y a un animal légendaire. Mais déjà, il faut qu'on chope le cheval. Alors, attends, soyons pas pressés, j'allais dire. Ah mais non, c'est un wapiti. C'est trop mignon, j'en ai vu au Canada. Non, jamais je le bute. Mais attendez, il y a peut-être un wapiti légendaire, là. Autour de nous, pas loin de Silo. Un wapiti légendaire, tabarnak. N'oubliez pas, on est là uniquement pour choper le cheval légendaire. On est là pour ça. Ok, on y est, les gars. Soyons attentifs, les amis. Oh, mec, il est là. Oh, c'est lui. Fuis pas, bébé. Fuis pas, bébé. C'est une histoire d'amour qui commence. Il est beau. T'es ma sa musculature et son doux visage. C'est mon bébé, ça. Oh, oh. Putain.
Mais je l'avais! Mais je l'avais! J'aurais dû lui sauter dessus! Putain! Putain! Mais gros, j'étais en train de le caresser! C'était un moment intense et mignon! Il m'a sorti son. Putain, je le vois, il est là-bas, le fils de chien! Vas-y, j'y vais comme ça! Allez, deuxième moment! J'aurais dû lui sauter dessus direct! Je m'en bats les couilles là, je lui saute dessus direct! Y'a pas de caresse, pas de câlin, je m'en bats les couilles! Là, je te monte dessus direct, gros, t'as aucune caresse! Le chien va! Je t'enfourche! Boum! On l'a eu! On l'a eu! Pou pou pou! Qu'est-ce que tu fais maintenant? Oh, je l'aime! C'est une début d'une histoire d'amour. Tiens, regarde, tiens, un peu de nourriture. Voilà! Et le jour se lève sur cette belle histoire d'amour! N'est-ce pas magnifique ce moment? Oh, je suis heureux! Je vais prendre ma selle et je vais la mettre sur celui-là. Doc, je suis désolé, mon pote. Je croyais qu'on était amis. Mais je t'aimais. Vraiment? Je t'aimais de tout mon cœur, tu m'as servi pendant 20 heures de jeu, mon gars. Ah là là, que de souvenirs. Mais il est temps de passer à un autre cheval. Désolé, Doc. Allez, va. Va dans la nature, Doc. Adieu. C'était un plaisir, Doc. Adieu, mon ami Squeezie. Je vais pas avoir ça. On a fait au moins 40 heures ensemble. Adieu, Doc. Je t'aimais, Doc. Bon, est-ce qu'on chasserait pas un bison légendaire? Regardez, il est là, c'est indiqué. Il est bien quelque part, ce bâtard. Attends, attends. Non, il y a un bison là. Je me chie dessus. On va le niquer au sniper. On va aller en hauteur et on va le niquer avec ça dans le cou. Je vais vous faire honneur. Oh, un bison. Il est où? Ah merde, c'est tourné. Quoi? Mais... Donc le crâne du bison arrête la balle? Solide, mec, hein? Mais il est parti où? Il va me soulever. Je suis de retour, mon ami Squeezie. Dieu, que tu reviens m'aider dans cette situation horrible. Oh, mec, il est là. Oh, quel con. Putain, on voit que dalle. Oh, on y va, cash. C'est parti. Oh, on l'a eu, putain. Voilà, en gros, il fait ses affaires, quoi. Oh là 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 là, on s'est mis bien. Je suis paré à décoller. Mais non, mais c'est pas toi que je veux, Duke, arrête. Je t'ai dit que tu étais remis dans la nature. Arrête de forcer, t'es dérangeant. Allez hop, et on a le bison. Oh là là, on est trop bien, mec. Bah qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a ça? Alors la peau, faut l'amener où, les gars? Faut l'amener au tameur, non, c'est pas ça? Il est où le ta... Non, c'est un sketch, gros. Non mais autant faire un Paris-Marseille dans la vraie vie, quoi. Ah ouais, ça se voit que c'est un cheval légendaire, les gars. Oh là là, c'est un TGV, mon pote. C'est un TGV! C'est pas la vitesse! Ah, c'est un délire, Mbappé. Je vais l'appeler Mbappé. Hey, mister, help me. Ouais, 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 un autre jour! Bon, vas-y, on va l'aider, putain. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Mon cheval légendaire! Non! Gros, on vient de l'avoir, il veut me le voler. Nique ta mère aussi. Sale chien, va. Wouah, j'ai cru que j'avais tué le cheval, gros. J'ai cru que j'avais tué le cheval en tirant dessus. Oh merde, ils vont... Et non, je vais être recherché. Putain, fais chier, quoi. Ouais, 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 t'inquiète. Putain. Et voilà, putain, je suis recherché. Mais c'est lui, il a voulu me voler, mec. Non, mais ça, c'est de la merde. Tu aurais dû au lasso. Oh, putain. Accident de cheval. Pardon, pardon. Mais non, mais j'ai pas fait... Mais vous êtes chiant, mais merde, ça arrive, quoi, des fois. Je lis le chat, désolé, ça arrive de lire un chat. Bon, je devrais pas en conduisant, mais vas-y. Violence sans armes. Non, mais gros, je... C'est un accident de la route et je suis recherché. Non, mais c'est un sketch. Il faisait quoi, le mec, au milieu de la route aussi, en warning, gros? Il avait pas ses warnings, voilà. Il avait pas ses warnings. On est bientôt au trappeur, on va pouvoir voir nos tenues, mec. Eh, il est là, notre... Alors, qu'est-ce que tu peux faire avec les fourrures de bison blanc, moi, je veux voir. Le bison fantôme? Je le veux. Oh, c'est si bien. Et après, il faut quoi? Une fourrure de Wapiti légendaire. Putain. Putain, on aurait dû le choper, le Wapiti légendaire. J'avais dit, l'eau. Bon, on va quand même confectionner ça en attendant. Allez, hop. Allez, hop. On est stylé maintenant avec nos bails de Yeti, là. Ouais, on va se faire le Wapiti légendaire. Sachant qu'il nous fallait aussi un truc de chèvre et un truc de... Quoi? C'est à qui que tu parles, en fait, là? T'as un bison sur la tête, toi? T'as un bison sur la tête, toi? Qu'as-tu dit mal au truc? Wow, 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 wow! Wow, mon bison!
suis mort, je suis mort. Non. Il a touché à la coiffe du bison. La coiffe était tombée. J'ai perdu des thunes, non, t'es sérieux là? Ma coiffe de bison.